Comme vous avez vu dans notre dernière vidéo, la météo nous a rattrapés. On est le 22 novembre, c'est une belle journée ensoleillée, il fait moins 6 degrés et aujourd'hui on part. Ce petit chauffage-là, on l'a commandé jeudi chez Amazon. Ils nous ont dit, il va arriver dimanche. C'est pas grave, on partait le mardi. Eh non, dimanche n'est pas arrivé. Lundi non plus, il n'est pas arrivé. Et on est mardi, puis il n'est pas arrivé non plus, mais il est demandé un le matin. Fait que j'étais obligé hier d'aller chez Cell, puis de n'acheter un. Chance qu'il n'avait en stock. Il était 10$ plus cher. Pas grave, on en a vraiment besoin, puis c'est le seul chauffage qu'on va avoir pour notre descente. Regarde bien. Pour l'instant, les affaires, ça va être crushé de même. Hey, je suis en train de faire du ménage. Quand on va être rendu dans une place là, qui va faire plus chaud, on prend le temps de se placer nos affaires comme il faut. Et aussi, une fois qu'on va avoir accès à nos effets personnels. Là, ce que je comprends pas, c'est que quand on est parti de la Floride, on est arrivé ici au Québec, on avait deux sacs à dos. C'est tout ce qu'on avait. Là, le boss est plein de stock. Ça regarde pas bien. Oh shit, j'ai pas pensé aux pattes. Toi non plus, hein? Ou toi, ça rentre? Non, ça va cogner sur le... C'est ça, hein? T'as pas pensé toi non plus, hein? Ouais, ça, c'est un... Tu peux rentrer beaucoup de stock en sous le banc. Le problème, c'est qu'il y a les pattes qui supportent le bain, mais quand il fait le lit, ces pattes-là supportent pour le lit, mais il t'enlève beaucoup de place en dessous, parce que quand tu vas former le bain, ça va aller écraser les effets que tu as mis en dessous, fait que c'est pas très commode. Moi, j'ai pas pensé à ça, fait que... Non, on a déjà pacté tout, mais on peut pas former le bain comme c'est là. Oh non! Écoute, ben on t'habitue là, on t'habitue de jouer à Tetris avec le bateau, c'était la même chose. Jusqu'ici, c'est un Tetris version Game Boy. J'ai pensé, juste avant de partir, je voulais mesurer la hauteur du west, parce que si jamais on doit passer sous quelque chose, un stationnement souterrain peut-être, mais de la clairance, comme cela, j'ai un petit peu moins que 8 pieds. Je viens de parler FaceTime, le dernier FaceTime avec mes parents avant de partir. Fait que ça veut dire qu'on est prêt. On est prêt. David a parti le chauffage comme vous avez vu tantôt. Puis il reste à emmener Tig. Puis là, à croiser les doigts que la ride elle va bien se passer. Sinon, ben gars, écoute, on a signé pour ça. Quand on a signé pour lui, on a signé pour l'aventure qu'il venait avec. It's a go! Ça fait 3 semaines que le West n'est pas parti. Fait que là, on va vraiment voir si on peut partir à l'aventure. Capable, c'est drôle, moi j'avais confiance. Déjà le premier arrêt, on met de l'essence, ce qui est bien important. Je me prends en pantoufle parce que c'est plus chaud que mes Converse. Je vais vous dire, là, une chance qu'il fasse soleil parce que c'est froid. Il manque ça dans les vidéos, que le monde peut sentir ce qu'on sent et ressentir le froid ou la chaleur. Ce serait un événement 4D. C'est à ce moment-là aussi où on va découvrir si la jauge à essence indique bien. J'ai hâte de voir, mais on va prendre le millage en casou. C'est assez important.
il y a un monsieur dépanneur qui nous a souhaité bon voyage. Il dit, vous allez dans le sud, vous autres? Je dis, oh, oui. Il dit, parfait, bon voyage. That's c'est cool. Le fun, ouais. Petit stop pour être sûr que tout va bien, que nos bagages dessus sont bien attachés. Vérifier l'huile aussi dans l'ouest, pour mettre un petit peu d'essence. David a envie de faire pipi. C'est ça que ça veut dire. Oui. Il manque un petit 2 ml d'huile. Que je vais rajouter. On est prêt pour repartir. Let's go! Ouf, on est bien ici. Manque un autre gilaster. Coton été. Ah, il est là. On se prépare pour que avant que le soleil se couche. Il est juste 1h30, bébé, de l'après-midi. Décourage-moi pas de même. On va y arriver. Petit bus va loin. On va faire un petit camp. Ça garde la chaleur sous les jambes avec le chauffage ici. Ouais. C'est comme faire du skidoo! Il est 9h, mais l'été, il est juste 5h40. Et là aussi, quand je me promène, je vois toutes les chambres modernes aux côtés avec des gros écrans de navigation. Notre auto de 44 ans aussi, il y en a un.
vraiment chanceux, on est vraiment coordonnés. On est arrivé pile à temps pour l'heure de pointe à Toronto. Vraiment? C'est un bon avantage, je pense, d'être pogné dans le trafic. C'est que le moins vite qu'on roule, le moins froid qu'il fait dans le bus. Là, notre sortie est barrée. Je vois le char qui est à contresens. Il y a un accident, ils ont tout bloqué. Wow. Ma femme, elle a préparé le petit nid d'amour. Notre premier petit spot, notre première nuit dans notre ouest. C'est pas le grand luxe ce soir comme première nuit. On couche dans un carpool en face d'un Petro-Canada. C'est une gentille dame qui nous a dit qu'on avait le droit de se coucher ici pour la nuit. Fait qu'on est venu ici. Mais quand même, c'est pas si mal. On va finir de s'installer. J'ai fait le lit, puis on espère qu'il fera pas trop froid cette nuit. Puis aujourd'hui, on a appris qu'il fallait dire adieu à la voie de gauche. À la voie rapide, là, c'est fini pour nous. Là, faut se tenir à droite. Puis on a passé la journée sur la 401. Fait qu'on a passé la journée en sandwich avec des gros camions. Oh. En tout cas, mais on est arrivé, on est safe, puis là c'est l'heure d'aller se coucher. Fait que bonne nuit.